Et salut les amis! Ah oui, comme vous avez remarqué, il y a pas mal de vidéos en ce moment. En même temps, il y a tellement eu de vidéos, enfin de parties au Rollyfest que je dois diffuser et que j'ai vachement beaucoup de retard, parce que ça fait déjà quand même un mois que le Rollyfest est passé. J'essaie de me dépêcher, donc j'essaie de faire au moins 2 vidéos par semaine, voire 3 vidéos comme la semaine dernière, tout en faisant l'ouverture du calendrier de l'Avent. D'ailleurs, on va continuer. Hop là! Je sais pas si je vais pouvoir faire quelque chose, je vais me mettre sur le côté plutôt, ce sera plus simple. Là, ce sera pour donc, du coup samedi, dimanche et aujourd'hui. Hop, je rappelle que pour ouvrir ces lots, il faut être membre de la chaîne et il y aura un énorme lot le 24 décembre. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Tac. Ça, c'est un booster Strixhaven. Alors, Strixhaven, c'est Grim Reaper 57700. Tu gagnes ça. Hop. Seconde. Ah, ça, c'était pour dimanche. Toc. Ah, je les ai serrés à fond. Ça, c'est un booster Tous Phyrexian. Ça, c'est pour Erazak. Et enfin, ça, apparemment, la boîte est déborde. Ah oui, ça restait le mini gros lot, on va dire, mais c'est quand même bien. 10 marqueurs +1/+1, et, enfin +X+X et -X+X. Donc il y a 5 en plus et 5 en moins. Et ça, c'est Force Tranquille. Comme d'habitude, vous m'écrivez par Messenger ou par Discord pour réclamer vos lots et me filer vos adresses. Et je vous envoie ça directement par la poste. On ouvrira donc du coup, vendredi, on ouvrira donc du coup le reste, donc jusqu'au 14. Il faudra que je refasse un autre calendrier de l'avant. Et donc n'oubliez pas, donc pour... participer à ces lots, vous cliquez sur le bouton rejoindre qu'il y a sous chaque vidéo. Donc aujourd'hui on attaque la quatrième ronde du Rollyfest avec à gauche Feldon qui sera joué par Guillaume Fanet et à droite Teferi qui sera joué par Grégoire Payan alias Koresh de la chaîne MTG Prime avec qui j'ai de très très bons rapports, donc ça fait plaisir de le recevoir sur la chaîne. J'ai exceptionnellement laissé les voix des joueurs mais j'ai essayé de diminuer le son de la salle. Vous me direz si c'est mieux que la vidéo qu'on avait vue la semaine dernière, il me semble que c'était mercredi dernier. Ok, je vais équiper. Je garde la gueule. Vending. Et tu peux y aller. Top. Non. Je vais décider de te mettre 3. Je vais en 7. Si je fais l'onde ? Oui. Ok. Je fais 15. Attends. Vas-y. On tape. Oh. Tu as décidé de passer en battle phase? Début de combat. Je vais peut-être te le renvoyer en main. Vas-y. Tape. Oh. Je passe en battle. Tenter de t'attaquer pour 2. Je vais tenter de te le renvoyer en main et te finir. Pour 2. Oui. Pour 1. Oui. Tenter de jouer un brainstorm. Je vais lander. Ouais. Je vais tenter de chercher un sort à 1 dans ma bibliothèque que je mets dans 1.
Je t'en prie. Aïe, aïe. Il faut y aller. Il tape. Draw. Si tu me coupais. Pour un. Oui, pour un beau mat. Je t'entends de rentrer en battle phase. Je t'autorise. Trigger. Ouais. Je prendrai 3. Ouais. Je suis à 12. Je te vois à 12. Pour 1, je vais te lava spike. 9. Je vais te tarfire. 7. Attends. Je vais me rester un bleu en réserve. J'ai une lentille extraplanaire. Ok. Trigger. 6. Teferi. Moins 1. Je cible 4. 3. 4. Vol de chaîne. Je vais générer 6. Il va me rester 2 en pool. Je vais activer vol de chaîne. Qu'est-ce que ça fait? Alors. Je paye 4, je peux activer donc une capacité de plus de cœur de manière supplémentaire ce tour-ci. D'accord. À savoir, ça va être valide pour les plus de cœur qui vont arriver après. D'accord, oui, c'est pendant le tour, bien sûr. Donc, je l'engage. Je vais faire ensuite un moins 1 de Teferi. Je cible les voiles de chaîne de 3 îles. Je vais générer 6. Et je vais dépenser 4, donc je vais ajouter 2. Je vais réactiver voile de chaîne. Je vais ajouter 3. Je passe à 7. Je fais un moins 1 de Teferi. Je vais cibler, du coup, poil de chaîne et 4 et 3 îles. Je vais tenter, en gros, de faire la même. Et du coup, de pouvoir rejouer Teferi, qui aura, en fait, un nombre de, quantité de loyauté supplémentaire, en fait, à chaque fois où j'ai pu faire poil de chaîne. Du coup, techniquement, je vais pouvoir faire Teferi à l'infini, donc, mana infini. Et je vais pouvoir faire aussi des plus 1 de Teferi à l'infini. D'accord. Avec les plus 1 de Teferi, donc tu m'autorises à regarder dans ma bibliothèque. Ok, vas-y. Parce que je vais, en gros, le plus 1 de Teferi, je regarde les deux cartes de ma bibliothèque, j'en mets une dans ma main et l'autre en dessous. Ok. Donc là, du coup, je peux piocher ma bibliothèque. Donc, je vais aller chercher Ugin Dragon Esprit. Mm-hmm. Du coup, je vais faire des plus 2 à l'infini sur toi. Pour t'infliger 3 blessures à chaque fois. Parce que là on voit un peu à travers et du coup Judge ? Judge ? Judge ? Ah, ici, c'est bon. Désolé, hein, c'est que... Pas de problème. Je suis là. En fait, je vois à travers les pochettes de mon adversaire et du coup, je sais pas trop. Tu as mélangé là, tu connais rien dans ton deck ? Moi, je connais rien dans mon deck. Non, bah non, c'est la, on commence à 2. Enfin, du moins, j'ai l'impression que c'est une carte double face, du coup. J'imagine aussi, du coup, forcément. Ok. Je vais appeler, 38. Je vais vous envoyer quelqu'un. Vous aurez du temps additionnel. Hein. D'accord. Très bien. Normalement, il faudra que t'aies des pochettes, avec le derrière qui est enfumé. Sinon, il faudra changer de pochette, mais, j'en ai peut-être qui traînent, mais, enfin, je sais pas combien tu joues de sorts double face. Trois, j'imagine. Trois.
Je peux regarder éventuellement si j'ai, si j'ai ça qui traîne. Non plus. Je vais essayer autre chose. J'ai éventuellement émis l'idée de pouvoir placer des pochettes avec le port. Non, on va voir quoi faire. Si... Voilà, super. Okay. Oui, c'est vrai que ça marche. C'est vrai, j'avais oublié. Ok. Ça va, Pierre, sinon J'imagine que le problème que tu as identifié, c'est celui que je vois actuellement en ce moment même. Oui. Ok, tu le vois aussi, j'imagine. Du coup, oui. Ok. Alors, j'imagine qu'en effet, la lumière, elle aide, pas, enfin, elle aide justement à voir à travers, mais dans tous les cas, je n'ai pas trop de doute que si ta table est si ta carte est sur une table normale, le même problème serait survenu. D'accord. En effet, t'as un petit objet qui est assez transparent, et tu peux le détecter assez facilement, t'arrives à voir le point blanc ici, un petit point ici. C'est magnifique. Ok. Donc, ouais, tes pochettes étant transparentes, on voit des cartes double face. Tu sais combien t'en as ou est-ce que qu'on vérifie ensemble? Je pense que j'en ai trois. Ok. Si tu peux m'aider à aller chercher. Bien sûr. Oui, tu peux regarder ton deck, on va remélanger. De toute façon, c'est le début de la partie, c'est ça? Là, oui. C'est, on commence à deux. Ok. Vous commencez la 2. Qui c'est qui a gagné la première? Moi. Ok. Je vais donner au ruling tout de suite, c'est que ça, ce sont des cartes marquées. Comme on voit à travers, la pénalité est un game loss. Donc, comme tu as gagné la première partie, qui est un game loss pour lui, vous allez directement le match est fini. D'accord. Voilà. Donc, je vais juste te demander de remplir et le match va s'arrêter là. Désolé, c'est pas grave, au moins. C'est les seuls trois, t'es sûr? Tu veux qu'on vérifie ou... Je dois en avoir encore une, je pense. Ça, je te laisse regarder. Ah oui, t'es pas sur le 22. Okay. T'inquiète, je vais m'en occuper du coup. Merci. Bah ouais, c'est parce que c'est un truc malheureusement qui arrive et c'est parce que ça donne une info et je préfère... Mais désolé si je pense que c'est un game. Mais hein? Tant pis pour la vidéo. Ouais. C'est un peu ça. Marque le nom des cartes pour que ce soit bien reconnaissable, c'est ça, et dès que tu la sortiras... Oui, c'est ici, c'est pas gênant. Ouais, si t'écris Fable, typiquement... Ouais, Fable, ça suffit, oui. Que ce soit clair que c'est la bonne carte, mais Fable, tu vois, enfin voilà, c'est pas... Vas-y, on dit Kazakh. Je vais t'en prendre ça. Ouais, parce que... Environ, quoi. Ouais. Si. Je te laisse les remplacer dans la sleeve et juste quand tu joueras les cartes, tu les remplaces. Ok. Il faut que je les double sleeve également, du coup? Oui. Ok. Pire des cas, tu peux... Tu veux que je t'en passe? J'en ai peut-être qui traîne. Si t'en as quatre qui traînent, ouais, je veux bien, c'est gentil. Merci. Ouais, je vais déceiver des trucs qui ont pas beaucoup de valeur, c'est à moi. Et si j'ai... Tout est bon pour moi. Et bonne chance pour la suite. Merci. Merci, bonne chance. Bon courage. Tac. Merci. Je t'en prie. Est-ce que tu veux en jouer une quand même? On peut en faire une pour le fun si tu veux. Je suis là, autant en jouer. Oui. Voir s'il y a une deuxième combo intéressante dans ton pack. Alors, toutes les combos sont. Enfin, ça. Ouais, t'en as une deuxième, mais ça tue pas. Ça bloque, ça lock la partie plutôt. C'est avec Stase, donc il y a un enchantement qui coûte 2, qui fait les joueurs sautent leur étape de dégagement. Et moi au début de l'entretien, je dois payer un bleu, sinon je dois sacrifier la Stase.
Et du coup, avec les ferries, s'il est en jeu, bah, tu peux soutenir la stase et tu bloques. Je vais mouiller. Je vais garder. C'est pour la caméra. Vas-y, vas-y. Et bonne deuxième. Et également, je vais garder. Vas-y, tu as mis en dessous ? Je vais mettre, je vais mettre ça en dessous. Proposer un nice side quand même. Vas-y. Pour deux. Elle donne une force. Mec. Je prends des attaques. Tu peux y aller. Pour 3, proposer force of fate. Je tentais de jouer une rime. Dans ta main, est-ce que je... C'est ça. Je suis pas lent. Attendez. Je peux proposer de rentrer en battle. 14. Suspend Revolt. Oui. Vas-y. Mettre 3. 11. Pour 4, proposer Felden. Counter non. Sean. Tef. Moins un. J'ai ciblé. Ouais. Je peux aller. Je vais craquer la vista. Pour un. Oui. 4, posé. Là, on joue pour le fun. Ok. Du coup,
Ah. Il a disparu. Début de combat, du coup, je vais tenter de t'engager toutes les créatures. Ouais, pas de problème. Tanto? Touch. Ouais. Plus un. Ça vient? On a fini en fait. Alors il y a eu un game loss en fait, ce game 2. En fait, je gagne la une. Et, on commence à 2 et je vois que ces pochettes en fait, on voit un peu à travers et notamment bah, les cartes double face. Donc bon, moi je call judge et ça a été un game loss. Donc là, bah, on joue techniquement la 2, mais pour le fun. Ok, ça marche, ouais. Super, ça marche. Merci. Voilà. J'ai pas landé, si, j'ai landé mon fetch. Vas-y. Pour 6, oui. Felden. Tenter de rentrer en battle phase. Début de combat. J'ai tenté de t'engager toutes les créatures et de renvoyer Mystic Centurion. Ouais. J'ai lancé Mystic Centurion, je vais cibler Crypto Command, plus 1. Vas-y. Pour 2, je vais jouer un plus son téméraire. Oui. Décidément. Pour 2, oui. Je vais jouer la détermination de Brain. Vas-y. Je vais lander pour le tour. Oui. Je vais rentrer en battle phase. Début de combat. Plus un. Vas-y. Je vais lander pour le tour. Oui. 3. Je vais exiler les deux cartes du tour de ma bibliothèque. Pour 3, je vais vouloir jouer Chandra. Je joue une Force of Will, un pitch Spell Snare. Je passe à 7. Pour 1, je joue un Épicurien Voldaren. Je prends 1. Ouais. Je passe à 6. Et puis on lance une fin de tour. Fin de tour? Oui. Ah, attends. Je suis obligé d'attaquer. Allez, tu es obligé d'attaquer avec lui. Ok, bon, je rentre en battle phase alors. Okay. Je vais début de combat faire la même. Ouais, ouais, pas de problème. Je prends ton tour? Je prends ton tour. Ouais, plus un. Ouais.
Vas-y. Fin de ton tour? Oui. Craquer mon token sans? Ouais. Me déposséder un fond? Ça roule. Tu veux jouer une salle de guerre? Oui. Je vais l'engager, je vais trop perdre 1. 18. Payé 1, je vais tenter de Galvanic Blast. Je fais 4. Je vais tenter de rentrer en battle phase. Tu peux attaquer. Je vais tenter d'envoyer toutes les créatures avec une force et une endurance une endurance inférieure à 5. Inférieure ou égale à 5, pardon. Payé 1. Oui, je suis à 3. Oui. Et je vais payer 2. Oui. Je fais 2, je la sacrifie, je fais un basique dans la bibliothèque, je vais en engager. Vas-y. Pour 3. Proposer un Season Fear Monster. Oui. Je vais discard 2. Oui. T'as 2 tokens. Et draw 2. Pour 1, proposer une chain lightning sur toi. Je tentais de contrer, de t'engager toutes tes bêtes. Payer 3 et 1 point de vie. 17. Oh. Ouais. Crac. Ouais. Non. Ouais. Je vais tenter de me renvoyer Mystic Sanctuary en main. Oui. Je lance des Mystic Sanctuary. Trigger. Plus 1. Tu pourras y aller. Oui, j'ai l'endroit. Proposer de défausser. Ouais.
Je prends mon temps. Je vais payer 3 et un point de vie. Je vais rentrer en battle. Début de combat. Je comptais de engager Boons Mystic Sanctuary. Ok, pour 1, je vais l'animer. Je tentais de te la renvoyer en main et de taper de l'ombre. J'ai un mana en vol. J'ai pas landé pour le tour. Ouais. Mon 10. Oui. Je vais le représenter avec... Enfin, ça, ça te va? Très bien. Tiger, on va prendre le même. Qu'est-ce qui fait l'emblème exactement? Je peux jouer des... Enfin, je peux activer mes capacités pleines sur le cœur comme si, à tout moment, enfin, comme si je pouvais faire des éphémères. D'accord, c'est pour la vie. Donc, pour 8, je vais rejouer Teferi. Je vais faire un plus 1. Et tu pourrais y aller. Tap. Non. Je vais payer 3, mais ping 2. 15. 15. Ça a l'air compliqué. Beaucoup de montagnes. Ouais, c'est... Je m'en doute. Je vais rentrer en battle. Réponse, moins 1. Je vais cibler... Ouais. Toujours en début de combat. J'ai un en pool. Tape tes bêtes et Boons Mystic Sanctuary. Pour 1, je vais animer Mishra. Oui. Je prends 2. Je suis à 1. Fin tour. Oui. La galère. Pioche. Ah, excuse-moi, j'ai affiché un petit peu. Je t'en prie. Le problème, c'est qu'il y a ce foutu... Donc, comment je passe tout ça? Plus un.
Oui. Et pour toi? Bien joué. J'avais d'autres lignes de play, j'aurais du flame slash sur mon chat. Ah oui, c'est vrai. Je viens de m'en rendre compte. Et en fait, à la base, je voulais attendre un autre sorcerie pour flame slash mon blood feather, jouer mon éphémère pendant la battle phase, le ramener et taper avec tout. Vu que t'aurais pas pu l'engager à ce moment-là, mais bon. Attends. J'ai été gourmand, j'aurais dû. Grid. Ouais, ton chain lightning aussi, le fait que tu fasses en main phase 1 tout à l'heure, je sais pas si tu es, mais. Ouais, mais ça me. Je commence sur la dernière. Je propose qu'on s'arrête là, de toute façon, on a perdu. Oui, c'est vrai que. Bon, vu que la partie était déjà finie, ils n'ont pas voulu faire la troisième partie pour le fun. Comme d'habitude, je remercie tous les abonnés et tout le monde à la chaîne. Je rappelle qu'il faut cliquer sur le bouton rejoindre pour devenir membre et donc du coup participer à tous ces tirages au sort et à quelques contenus exclusifs chaque semaine. Et bien sûr, semaine prochaine, non. Pas semaine prochaine, ce sera vendredi quand je vais essayer de vous diffuser ça. Ce sera la cinquième ronde entre deux gros joueurs. Damien Garcia, top 8 Rolex Fest de l'an dernier, top 8 champion de France cette année, qui joue Tivit toujours. Et en face, on a Alex Benz, alias OneSock, qui va jouer son Croxa, pareil, qui lui a fait de nombreux top 8. Donc ça va faire une très 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 belle partie, j'espère. On se retrouve vendredi, si tout va bien. À bientôt, bye bye.